Congo, France, Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de www.congofrance.com, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers notre site congofrance.com, aujourd'hui nous avons le réel plaisir de vous informer par rapport à tout ce qui est actualité dans notre pays, surtout l'actualité musicale. Fali Ipupa et Fabregas, qu'est-ce qui se passe juste entre Fabregas et Fali Ipupa? Est-ce que Kofi Olomide a bouaki si Fabregas pour na protéger moi na Fali Ipupa? Na katse émission Oyo beaucoup découvrir makambu ebélé tout ça en direct. Na Frank Stemay Disuka depuis Kinshasa, Azana Kinshasa, Aza en direct pour na bandeni ya kuzaba information, mieux surtout ma précision, mieux surtout par rapport ya actualité Oyo. Monsieur Sibaso Komi Tuna et Bene Frank Stemay, à vous la parole. Ah, merci beaucoup, monsieur. Je souhaite dire depuis ma bonne opportunité. Pesinga, bonjour Nayo. Et puis bonjour, nous avons nous parlons d'habits à travers le monde, vous en Europe, vous en Amérique, pourquoi pas un peu en Afrique, okay. Parce qu'on a l'internet. Merci, mignon sur Franck Stemay, vous êtes ébélé. Merci pour l'opportunité. Oh, bien sûr, parce que ça une nouvelle conception. Okay. Bien sûr, il y a Congo France. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe juste entre Fali Ipupa na Fabregas? Voilà, merci pour la question. Déjà, il y a un problème. Surtout dans Kinshasa, il y a une lecture. Il y a des fanatiques comme un musicien, il y a des bandes qui sont au bazar à Onakin. Ils ont presque la même chose. C'est que vrai, et nous aussi, c'était moi un peu polémique entre Fali Ipupa et Fabregas. Ils ont une émission récente, Fabregas, c'est là qui. On a confrère Nabiso Papimboma, je crois, tout le monde a dit réaction. Il y a artiste peut-être par rapport à ma diurnaïe, par rapport à ma façon de je sais qui, les gens ont beaucoup plus donné l'impression, en fait. L'artiste a donné l'impression, ma batmane l'andaïe que non, à s'adresser qui mingi, n'a fallu pour pas, donc voilà, bon. Comme il y a beaucoup d'artistes à taille combo, il y a fallu pour pas, donc nous, en tant que journalistes, on ne peut pas, bien sûr, qu'il y ait un problème entre Fali et Fabregas. Mais, au moins, selon ma fanatique, dans la musique, déjà, analyste culturel, il y a quand même la façon dont l'artiste s'exprime, qui, et entre guillemets, et comment il aura plus à s'attaquer à qui, l'artiste Fali pour pas. Voilà. Ma fanatique, il y a Fabregas, comment remarquer Fabregas a commis trop orgueillé. Voilà, c'est comme qui par rapport à la question d'Olobi a commis, enfin Fabregas a commis, pourquoi commis orgueilleux. Ouais. Moi je dirais que bon, orgueil peut-être c'est trop dur, mais il faut que tout ça, africain, surtout monde, il y avait des tarias où il y a un monde de bastard, monde où ça un peu trop visible, ils auraient plus, donc on a ce qui moi succès, Banikoya, ils auraient peine à fier, ils auraient peine à orgueiller. Mais ça va peut-être trop bien en gros, moi, comporter un moko, il y a ma star, c'est tout à fait normal. Ma star, au fait, ma stade, Fabregas a commis, il faut un mec un peu changer mon comportement parce que c'est vrai, beaucoup barré pour chaque aïe peu, c'est tout à fait normal, que nous, on a trop simple, donc si on peut le dire comme ça, et les lots, peut-être que moi, changement comportement, ils ont quoi accompagner peut-être succès au Azo Matanango, moi, déjà. Il a déjà 3 albums à son actif. C'est tout à fait normal aujourd'hui que Naba succès ba yamado, marambe belé belé au moni, téléphone na yepe okoma saturé, ba compte na yé ya ba réseaux sociaux, yokoma pe saturé, c'est tout à fait normal. Artiste n'est pas comme on a moi comporté, moko ba koko jugé peut-être d'orgueilleux, mais moi je pense que dire que ils ont orgueil, je ne sais pas par rapport à la fanatique na yé, mais moi pour moi je ne peux pas dire qu'il est devenu orgueilleux. Autant de moi qui côté arrivé facilement en tant que journaliste. Mais compte tenu du comportement naïe, peut-être où il y a quotidiennement à vivre en Ango, on ne sait pas. Donc c'est tout à fait normal, si on a remarqué les gens, ils ont peut-être par rapport à
y a aura ou akomi nango na ou azaki nango avant ils ont cependant c'est pas le même fabricant qu'on a connu avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui c'est une autre personne c'est tout à fait normal de remarquer quand même moi différent soit voilà. Parce que tu as parlé des albums la fabricants entre vous c'est Sikoyo Abat Balebi et Simbité déjà promotion. Oui merci pour la question. Ça fait 3 mois. Non okay. Je pense que oui vous avez raison mais 3 mois depuis sorti album je pense c'est Salemi je pense et Bini sorti officiel oui. Et c'est la même que le 14 février dernier. Donc okay, je pense okay. Que nous tous à une émission Oyo en duo qui osent la poter là avec Kinshasa. Donc c'est tout à fait normal. La conception c'est ça. Oh bah tout le monde a monté la même tout ça là Oyo c'est une nouvelle. Non ça fait pratiquement quasiment 1 mois et demi parce que le 14 février à peine nous tous quand même le 31 mars. Donc 1 mois et demi depuis sorti y a album. Je pense aux autres contenus des albums la 4, c'est un projet, je pense, qui contient bien sûr des albums, donc Poison et Antidote. Donc voilà. Et, oui, froidement, oui, jusque-là, non, nous pouvons là hématiter parce que déjà il y a beaucoup de problèmes qu'il faut souligner là-dedans. Déjà, c'est deux albums. Deux albums, il y a 4 CD. Okay. Voilà, donc la CD Moro, on retrouve 9 chansons, et on a 4 CD pour retrouver 36 chansons. Ce n'est pas du tout facile pour que Moutou a bandi mon ambala moko, et surtout que le nom où tout le monde dit que bah, musique comme plus la swingen, au moins que même la Kinshasa, au moins la bandi Moutou, c'est ça la succès. On a connu la petite, il a la swingen, on a de ça le succès. Moro a tout le monde a Paka Juma, c'est un artiste qui n'est pas trop connu. Mais ça nous aime beaucoup la rage la Kinshasa sont allés de l'eau au moment bah Tibélaise bah Sungaz au moment quoi bah par exemple bah Innocent Baloumé au moment c'est que Sungaz moko au futurum na ouira son et loco au moment que le au succès comme plus la bah Sungaz que la bah album surtout bah Rumba au moment que la bah Rumba est belle étant donné que mon numéro que je nomme d'homme c'est un grand la musique la plus mais a patiné moqué par rapport à son album le 13e apôtre donc c'est normal et si on peut dire que succès au matanamité bon on peut encore laisser le temps par rapport à l'artiste tout est la même sous qui comportement d'ango mon abonné au stade de clip aujourd'hui quand même à lancer les sous clip mais sous il y a rumba titre à l'eau pépé donc oyembeli le vieux du Djongonda que j'ai fait un petit coucou en passant donc voilà et ça quand même d'abiloko ça la sorte l'album est patiné moukier par rapport il y a sortie officielle dans déjà jusque là même on peut accrocher s'il faut comparer l'album Nayamabe moi je pense que là Yamabe est un mini album il y avait que 2 génériques et 4 rumba donc il y a 6 chansons et c'est pas on ne peut pas comparer déjà les deux projets parce qu'ils ont même monté et puis Yamabe mon succès dans nous ils ont tellement élevé donc aujourd'hui c'est très difficile pour qu'il y ait même Yemro Fabregas pour ça la suite dans ce qu'on est quand même aujourd'hui je pense que il nous faut encore beaucoup de temps et ça a facilité parce que et à placer qui barre très haut par rapport à dans Yamado voilà un peu ce que je peux répondre comme réponse. Et pourquoi Koffi Olomide a boit ici Fabregas est-ce qu'il a ah bon Koffi boit ici ah bon je ne sais pas du tout Koffi boit ici bon ça je ne sais pas en tout cas mais ça se voit je pense que ça se voit quand même ici il est professionnel il y a métier donc Koffi sera boit ici c'est bah bon mais habité en tout cas déjà on a vu l'imbissanga monsieur le DG pour la question voilà. Ils ont très difficile à répondre parce que la yébité Koffi a ici ou pas. Moi, je sais que moi, je sais. Jusque là, il n'y a pas de problème entre Fabregas et Koffi Olomide. Ok. Voilà. Depuis la son à Bengisaki Fabregas dans la Samba, c'est que si on dirait Fabregas, ils ont sous ma cassité. Est-ce que tu connais que Fabregas? Bon, il faut que tu réfléchisses à ça. Moi, je suis un analyste averti, comme on nous appelle. Déjà, il faut te réfléchir et tant que tu es un musicologue. Okay. La musique n'a pas besoin d'accompagner vraiment et belé. Même ça joue même psychologiquement. Voilà, depuis Fabrice ça peut être la Zamba. Tu vois que voilà, ceux qui ont des mêlées succès ou pas. Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais moi je pense que l'artiste, parce qu'il faut parler en termes de succès, l'artiste reste artiste. Fabrice garde encore son nom.
jusque là disque oyonde en tout cas même batu bazela qui vous savez ce qui a posé problème aussi c'est ça aussi donc ça batu bazela qui album oyo makasi il y avait tellement l'engouement derrière cet album et aujourd'hui ça a posé problème tango et accrocheté donc accrocheté et posé vraiment problème jusque là bon accrocheté je peux dire pas encore parce qu'il faut tout ce qu'on a moins temps et ben disons musée belé le temps de découvrir ben disons le temps de mon artiste là bas clip le temps a accéléré le sous phase promotionnelle donc il faut encore du temps parce que promotion album bah ça là jamais dans un mois il faut vraiment laisser beaucoup de temps par rapport à la promotion album donc je pense qu'il y a encore beaucoup de temps à laisser à l'artiste jusque là pour cela mais s'il faut parler de l'artiste lui-même Fabregas il a encore son nom c'est un artiste qui est toujours surveillé par ses fans donc voilà même nous les médias on est toujours derrière lui parce qu'il faut le baquer c'est un jeune qui monte avec beaucoup de vitesse voilà Fabregas avant qu'on t'a pas eu à son à côté du niveau c'est pas Fabri pas fallu pour pas confirmer Bissongo pour compléter ta question aussi mes touches ce qui fallait te faire ce qui confite au ensemble dans ce qui touche par rapport à concert voilà moi je pense que bon jusque là encore je ne sais pas quoi dire mais aussi mes touches non je ne pense pas et quand on est mort à l'ébénéla c'est comportant tout le monde a fallu à coup du sarana TV c'est aussi un conseil qu'il faut donner à l'artiste voilà comme ça confie la TV à coup mais ça va venir à la TV mais à ça peut même aller calendrier à l'émour au bout et c'est un contact direct en tout cas le lot il faut tout le bango. Tout c'est vrai la fasté. Jusque là, même tout le monde contact, mon côté direct, c'est bon, non, médiatisé entre Fali et Kofi, on est depuis Fala Longwa. Donc, tout ça, africain, il faut te comprendre, Mara Moussousou. Je pense que Fabregas, il fasse attention. Nabilo Moussousou, que non, aucun des vaïques, je sais qu'il maîtrise bien son milieu musical, c'est vrai. Mais il faut aussi, moi, l'aigné Moroboué, parce que ça joue. Ça joue aussi, batmango interprète kaka, batmango no banaba on kaka comme d'habitude. Mais moi je pense que, à la manière de moi, par exemple, Miko Lopi Moussousou, tout le monde par exemple à la Coste, de Balongwa, à Ferrego là, et de Balongwa, tout le monde contacte moi au Ténaoué ensemble. Héritier au Tigo Longwa, à peine, même contacte moi au Salamité. Donc, il est là, il peut avoir raison ou tort, mais bon, il est quand même assez adulte, il est quand même majeur, il sait ce qu'il fait. Il est responsable de ce qu'il fait, mais au moins nous, en tant qu'analystes culturels, on peut dire que bon, tout ça, ça joue aussi, parce que tout ça, bah, africain, musique, bah, on a besoin quand même de succès à la mission. Voilà. Et ça a toujours l'icolo et Gustave Labisso au bien. Voilà. Franck, c'était mal, au cours, on se remet ce qui est fabriqué à une taquille pas fallu pour pas voir comment pas ouvrir un sol. Oui, 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 Fabregas, à l'écart, il n'est pas fallu. Bon, c'est vrai qu'il y a des tapés natés, quoi, qu'on met dans le sens qu'enregistrer un album, t'es. Enregistrer un album, t'es, un tapé concerté. Mais au moins, à Yara, au Moukamoussala, il n'est pas fallu à l'époque, avant qu'il n'ait pas ouvrir un sol. C'est une information, peut-être, nous, bien noté, à l'écart, Kawana. Mais, à ce moment-là, chanceté, qu'on enregistre un album. Étant donné qu'il y a une période où, peut-être que non, recruter nos salaires nous froidement, même des plaies qui parlent de gars pas fallu, bah tout le monde va éviter, bah les gars là-bas, ils ont la chance penzate, y'a Robetta, tant qu'on n'a pas fallu, des plaies qu'avant qu'ils ne payent mes hommes, à l'écart les sous c'est pas confié, ou non idée, donc bah ben là bah mes copains, je sais pas mes copains ou non bon, mes copains ou non bah mineur, voilà mes copains bah là-bas c'est malheureux, bah chanteuse. Mais bah des plus bah là bah mineur c'est vraiment l'époque bah moi il est bien beau bah côté Rwanda mais après qu'on voit que mes hommes donc c'est un parcours artiste le Fabregas un parcours voilà donc c'est mes hommes dans le milieu il est monsieur Boutoué bah nous que nous on a lu Fabro central la mise en bas donc c'est un peu ça ce que je peux dire tant que journaliste quand la Fabregas est outil wapi pour la famille pour pas c'est chaud, Kanda. Merci pour la question. Kanda, ce que vous avez dit. Bon, moi je pense que j'ai trop mesuré Kaka. De trop ça, tout un dossier pour l'émission. Je viens de dire au début ici qu'il y a une nécessité polémique entre Fali et Fabregas. Ils ont émission au Fabregas à Salaki et pas Frère Nabi sur Papi Mboma. Mais et nous, on va aller sur les années que rumeur de la au début,
y a quelques mois passés, Emer Isukilaki, Félix Fabregas, Akemara Ndiaye, Akemara Ndiaye, excusez-nous pour la matinée à Balabala, comprenez, nous sommes à Kinshasa. Donc, Azalaki, Akemara Ndiaye, Akuta Fali, et paraît-il que non, Fali, Akangela Fabregas, qui va déplacer dans la langage. Alors jusque-là, et c'est Félix Fabregas qui est l'entourage de Mobimba. Moi, je pense que ce qui est le courant entre Fabregas, la Fali et les Gabongo, les Gassou, il y a quelque chose que c'est par rapport à cela. Mais il y a beaucoup d'artistes Fabregas, à Niarané, à Ngo, pour un mot de personnel, tout le monde déjà dans l'émission, question à le bac, il n'y a rien, basé dans un bon terme, bon, ils ont comporté un essai. Moi, au moins, la fanatique, la Bango, il dit que non, entre Fabregas et Fali, et bien la raté, et encore une fois, entre guillemets, il faut souligner que contact Lyon, il y a Kofi, ou il y a Lélo actuellement, sur Lozana, Kofi, il y a Baké. Pas fallu en la place de. Voilà, il faut qu'on se le dise. Donc, il fallait à combien de magamine bon. Plus tu es en contact avec Kofi Lomédé, et loin de toi, j'ai des fallu parce que vous avez une place qu'on a. Donc, moi, je pense que sur un peu ça, il faut quand même tout comprendre de l'eau, voilà, et c'est tout à fait normal. Voilà. Kibongaï, essuyez mon coup Fabregas, mais là, comme vous dites, ma maître de la musique africaine. Réaction des amis. Oui, comme il est bien la maître. Ouais, c'est normal. Ils ont un surnom quand même, ils ont un peu ça, tout le fanatique m'appelle Sarabango. Ils ont un normal. Donc moi je pense qu'il n'y a pas un problème grave dessus, mais c'est Didi. Donc Fabre Mbeni maître. Bon, je suis le maître, c'est l'album du maître. C'est normal. Mbeni Fali probablement Mbeni va combler Bélé, la merveille, Baboye. Au fond, le troisième apôtre, j'ai même plus seulement un peu ça comme souverain. Alors que le Dieu souverain avant moi, il a le Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Donc voilà, il y a bien la souverain, premier. Donc ça va comme moi, je pense que quand il a un musicien, donc qui va faire la team à Pessi Bango, qui va vraiment me placer dans l'entourage de Bango. Donc moi je pense que ce sont les bengi maîtres, il sait pourquoi les bengi maîtres. Et je pense que comme on va mettre, il y a plus dans l'album, je pense. Parce qu'elle dit que je pense l'album du maître. Donc voilà, moi je pense que c'est ça. Et selon moi, je suis un combo à maître. Mais moi je pense qu'on est maître et musicien à mon côté parce que la musique pèse dans le catch, la musique pèse dans le sport, dans la discipline sportive. Voilà, donc combo à maître, je pense. Et Kaka, dans l'album OSK actuel, je pense, il y a bien l'album du maître. Du côté de la intervention, nous ne connaissons pas la bataille de l'Andaïo. Ouais, tout comme mon ami Souka, merci. Mais c'est Didi, donc merci pour l'opportunité. Donc, merci beaucoup. Moi, je pense qu'un dernier mot à dire, je dirais merci déjà à Badoutou Balandibiso. S'il faut lancer un message, je dirais, Bandekouba continue de soutenir Bisso. Namoussala, ma carte, tout ça, tout ça, parce que, vous savez, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Donc ils ont la moussala, tout ça au sala, ils ont la moussala moko, il y a tout kaka, il y aura toujours des problèmes, mais balembabisoté, il faut toujours conseil na bango, il faut suggestion, remarque, surtout moi, j'ai besoin beaucoup de remarques, de suggestions, il faut suggérer, quand il faut suggérer, il faut faire des remarques quand il le faut. Donc on en a besoin, et ça a vraiment bien. Et voilà, donc merci beaucoup, on a tout à l'Ibisso. Salutations. Il faut la paix, c'est ma beauté. La paix, c'est ma beauté. Je suis un peu plus. Mais le boss que nous connaissons, c'est Signac déjà, plan calamité dans Maï. Et puis, je dirais encore merci beaucoup. Un grand merci à Fiston Borel, Papa Milouk International. Un vrai soldat. Hein? Donc, deux fois, tu sais, bientôt à Kinshasa. Donc, le 2A anniversaire à Fiston Borel, préparez-vous. En conséquence, parce que vous avez ma Kambounabino, la Kinshasa. Vous faites un A, on a Franck Stemaï, vous comprenez l'idéologie, vous comprenez le niveau soit d'accéléré. Bon, on comprend niveau Bibélé, niveau Makambo, parce que tout ça est béni déjà en Akin, déjà en provenance de Suède. Tout ça, on a Bouxon et Boukassa Junior en Pérou. Les managers à France, déjà Galiano,
2016 merci également à mon pote Noé Nokito Black des deux l'homme à X5. Hein? Bah, il m'a dit que je suis raté. Je suis un bon marané. 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 Toujours idéologie. Et aussi, à Bissot bien. Merci encore de plus à mon vieux Gauthier Mascotte, l'homme idéal. Gauthier Mascotte, l'homme idéal. Equinox Pro de toujours. Tout ça, et puis, merci beaucoup à mon vieux Djodjo Ngonda. Il mène la taille avantageuse. Boss. Okay. Aspect tendance, vient dans l'aïe, mais j'ai mon pépé. Si quand il bang la Frank, c'était même ça, donc il y a un poison. Premier rumba, donc après, quand il y a un rumba, il y a un pépé. Il y a un rumba, il y a un monde qui est avantageuse. Ou est-ce que va souvenir Frank, c'était même hashtag news. Donc, bon, dans une bonne meilleure chanson, album, il y a Fabregas, il y a un moana, je vous le recommande et à consommer sans modération. Merci, merci également à Rita Zang, la japonaise, Bayou Mikolo, la Lara Boye. Boye surtout te Rita Zang la japonaise Magosu Ananga Mabe mais toi qui nous a bon on a un problème tu es normal. Merci beaucoup à mes deux potes basan millionnaires des jeunes millionnaires Patrick Bompongo. Patrick Bompongo, merci beaucoup à toi. Merci également à mon ami Dadi Katalai, je ne t'oublie jamais mon pote, on est ensemble bisous à plus merci beaucoup également. Vous êtes tellement belle, donc je ne sais pas si c'était toute une liste ici. Donc voilà, la bosse est peut-être Fanny Bongende. Fanny Bongende, merci à toi. Merci également à la reine de Bordeaux. Il y en a François Hollande, ça signa déjà décret à l'obéga comme reine et à Bordeaux. On l'appelle Jolivette Ntsamba, la jolibilité. Merci beaucoup à toi. Merci également à Frank Stema. Vous êtes tellement belle à travers le monde. Je n'oublie pas toute ma famille aussi. Vous aimez Frank Stema et je n'oublie pas tous les amis également de Johannesburg. Donc merci beaucoup, vous avez belé, madame, cette vidéo, pas tout chez nous, bientôt vous allez à Johannesburg, et puis la fille de site mobile, vous avez fait et puis la bosse répétée, la Luanda, Benita Dior, merci beaucoup, la fille ici, Waston, la Luanda, est-ce que vous avez fait Stemay, donc la fanatique, la travers le monde, vous avez belé, alors belé, je ne peux vous citer tout le monde, en tout cas, sinon, il me sert aussi la tête, et puis les amis de Frank Stemay, donc le numéro dans là, sur le groupe WhatsApp, les amis de Frank Stemay. Et bien, comme il y a un numéro dans WhatsApp, malheureusement, vite fait, tu comptes sur un groupe qui est absolument bien. Le roi Pierre Longadi, le roi Baritz, le roi La Rose, tout le monde va dans le groupe Frank Stemay, les amis de Frank Stemay. Donc, vous allez nous les bienvenus. Merci beaucoup à toi également, M. Didi Pumba, et tous les fidèles, tous les fidèles internautes de Congo France. Merci beaucoup à toi. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Frank Stemay. Osaki qui vraiment connecté en direct na congofrance.com bah te belé bah c'est pas une intervention là yo et puis je remercie tous ceux qui étaient connectés sur congofrance.com ou moni analyse auto sali ou la Frank Stemay a aussi co intervenir na émission Oyo par rapport il y a ranking entre Fally Ipupa na Fabregas depuis Kinshasa Fabregas Frank Stemay depuis Kinshasa de moi à intervenir au besoin mon la photo mais bon moi ni moko Frank Stemay depuis Kinshasa à intervenir. Quant à moi je remercie Chimuchimanga mon konzabaluba lui qui était derrière la caméra bon la belle image c'est grâce à Chimuchimanga mon konzabaluba. Merci beaucoup à Pati Mengani Yumtuazaki a sa intervention la fois passée concernant l'actualité musicale, il y a artiste congolais. Et merci à Waterloo Mokonza Italie, Azana Paris, c'est pour un tournée. Beaucoup, Richie Kanga, Hermès Moulele, merci, je remercie Nana Mouswamba, Maître Nana Mouswamba, Diamunda Golding de Jackpot Première. Je remercie encore Sarah Ramazani, Grosse Moulir. Et sans oublier à Paris, GIF Noir, à fan de GIF Noir, Nora Digital, merci beaucoup, mes condoléances. Na matin à aujourd'hui, Jessica Tilanda, je te remercie pour ma réaction, nous autour, nous sommes vraiment. Et puis sans oublier, Junior Bookson Bukasa, encore et toujours, la carte à congofrance.com. Je remercie encore Nzana. Merci beaucoup Nzana, Etienne Nzana,
la Paris, Sandra, je te salue aussi. La Perle, Maman la Jose, je te salue. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés sur www.congofrance.com et restez toujours sur votre site Congo France. Vous ne serez jamais déçus. Merci, au revoir. Congo France. Congofrance.com, site la photo de Masola d'Angers. Masola du Toko. Congofrance.com.